Et Yamina, c'est Maître Drena, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Medieval. Alors, dans le dernier épisode, on avait fait le foutu champ d'épouvantail. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la vallée des Potirons. Ouais, un niveau que j'aime bien, mais une vraie petite saloperie. Alors c'est de là que viennent toutes ces courges succulentes. Elles te trouveront peut-être à leur goût. Oh ouais, vas-y. À ce qui paraît, j'ai le goût de barbe à papa. J'ai rien dit, c'est pas moi. C'est Daniel. C'est Daniel Fortes qui a dit quelque chose. Moi, j'ai fermé ma gueule, moi. Oh, les courges, elles vont casser les houilles, hein. Voilà. Bon, en plus, c'est dans une nouvelle entrée. Voilà. Ça dégage. Oh, elles sont trop belles, les machines. Oh, elles sont magnifiques. Oh, elles sont magnifiques. Bon, là, on va faire gaffe parce que elles sont... Il faut contourner. Si on veut pas prendre max de dégâts, contournez-les. Pourquoi? Parce que sinon, elle va vous attaquer avec leur langue. Et même quand vous les tapez, elle retape encore derrière. Donc, c'est le plus conseillé. Là, il y a un truc à découvrir. Voilà. Ici, donc, ce sera le potentiel calice. Ok. Y a pas des petits potirons qui vont tomber d'ici? J'avais des doutes qu'il y avait des potirons qui nous tombaient à la gueule. Mais j'ai dû me... J'ai dû me gourer. Et là, c'est là d'où je viens. Ouais, c'est ça, c'est là d'où je viens parce que... Là-bas, il y a la sortie. Il y a l'entrée. Attends, il n'y a pas des méchants, là? Ah, je me disais. Si je me fais pas harceler encore par ces putains de potirons de merde. Ça va pas être beau, joli, joli. Ça va pas être jojo, tout ça. Et viens là, toi. Viens là. Non, mais... J'allais dire, mais close pas la gueule. La bâtarde. Elle m'a explosé à la gueule. Donc on va essayer de les contourner. Ah non, je vais utiliser une potion. Donc là, il faut une rune. Donc déjà. Oui, je l'ai pas, c'est bon, je sais. Mais c'est parce que je suis en plein fight, espèce de saloperie de main. Ah, j'aime bien, elles se détériorent de plus en plus. Plus on les frappe, plus elles sont en... Elles sont toutes dégueulasses et toutes défoncées. Ah, j'adore. Non, par contre, c'est pas là que je veux aller, c'est là avant. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est là, il faut sortir. Bam, 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 bam. On fait la supercharge. Ah, c'est bizarre, hein. On croirait qu'on rentre pour descendre. Mais... Voilà. Bon. Allons-y. Là, c'est d'où je viens, parce que j'ai mis la rune. Ok. Donc on sait où est le calice. Ah ouais, non mais je reçois plus de dégâts en étant comme ça, en faisant des supercharges. Vous voyez, elles deviennent toutes défoncées. Voilà, c'est bon. Laisse-moi remplir un peu ma vie, s'il te plaît. Là, il y a de la bataille là, hein. C'est bon ça, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut ici. On veut de la bataille. On veut du combat. Et moi aussi, je veux du flouze. Du flouze à non plus savoir quoi en faire.
Ah, t'as vu, je t'ai tué, hein. Je te teabag. J'ai un gros bâtard. Voilà. Ça, on n'a pas envie que ça explose. On n'a pas envie que ça explose. Ça, on n'a pas envie que ça explose. Et je n'ai pas le, la rune verte, oui, parce qu'elle est de l'autre côté. Elle est là-bas où on doit aller, donc déjà. On va se régénérer un petit peu. Mais ça devrait passer, je pense, clairement, là. Voilà. Merci. Ces champignons magiques sont si pratiques, tu ne trouves pas? Grâce à eux, tu atteindras des sommets en quelques instants. Mais gare à la chute si tu ne veux pas te rompre les os et redevenir poussière. Non, 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 non. Non, je ne veux pas mourir. Mais j'ai glissé? Ah ouais, non, mais faut vraiment faire un petit saut en fait, hein. Voilà, c'est vraiment faire un petit saut, c'est... Ah, c'est précis, hein. Ouais, je m'en souvenais pas qu'à l'époque, c'était aussi précis le petit saut. Sinon, je glisse comme une merde. Voilà. Avec tout ça, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de vie. Et je n'ai pas de ruine étoile. Ta mère. Voilà, on va passer par là. Voilà, maintenant déjà, j'ai la rune verte. Waouh, oh non, ça fait trop mal là par contre. Ah, ça fait trop mal. J'ai que 54% du calice. Oh, oh, c'est chaud du cul. Enfin, j'ai cru que ça serait rempli plus facilement que tous ceux que j'ai niqués. Mais au final, ils donnent pas beaucoup, beaucoup de pourcentage en fait. Là, il y a des trucs qui vont tomber. Enfin, je vais devoir les péter. Voilà. Non, non, viens là, toi. Voilà, merci. Voilà, merci. En plus, ça donne pas pourcentage de calice. C'est la petite saloperie que tu peux, qui peut te péter à la gueule et que tu peux péter. Mais ça donne rien de plus, hein. C'est limite de l'arnaque, hein. Sincèrement, c'est limite de l'arnaque, hein. Après, c'est pas pour m'en plaindre, mais quand même. Hein. Voilà. Merci. Ensuite, on va se régénérer un peu la vie. Parce que là, on en a quand même pas mal perdu. Et il y a encore des chances que je reglisse comme un couillon, donc je préfère. Ah non, c'est passé. Ah, ça passe. Il suffit juste de savoir qu'il faut bien sauter tout doucement et ça passe crème. Ça passe, ça passe. Voilà, là ça passe. On va utiliser le bouclier un peu plus souvent. Voilà. Voilà, le bouclier est utilisé de ce côté-là. Voilà. Voilà. Ah, mais... Avant, elles étaient pas agressives, par contre, ces plantes-là. Eh, hey, avant elle agressait pas cette connerie, hein. Au pire, ce qu'on va faire, c'est si elle nous agresse, on l'attaque de loin. Hein. Ouais. J'ai une idée.
Voilà, ta mère. Oh, soude-moi pas. Ah non, j'ai perdu trop de vie pour de la saloperie comme ça. Ah non, c'est bon, j'ai assez donné. J'ai assez donné, ma biche. Non, toi, tu dégages, merci. Eh ben, on va faire ça. Et badaboum. Vous aimez ça, les badaboum? Eh ben, badaboum. Allez, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-boum. Sur le cadavre. Eh, mine de rien, ça a rempli notre... À 97, hein. Ah, ça l'a bien rempli, hein. Donc là, on va bientôt pouvoir récupérer, voilà, le calice des âmes. Voilà, merci, au revoir. Toi aussi, merci, au revoir. Tu m'as cassé les houilles. Voilà. Ah, casse-moi pas les houilles, toi aussi, hein. Où tu nous amènes, toi? Ah, c'est vers la fin du niveau. Non, je veux pas y aller. Non, 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 j'ai pas envie. Non, je suis bien où je suis, tu vois. Voilà, je suis bien où je suis. Là, c'est le quasi début du... Voilà. Ah, j'avais flippé, je me suis dit, putain, et si je retombe à ce moment-là? Ce serait un peu abusé. Maintenant, on va chercher le calice que vous en souvenez qui était caché au tout début. Alors, celui-là, quand vous savez pas, hein. Faut vraiment fouiller, casser le mur. Quand je dis tout début, c'est tout début, hein. Pas des conneries, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Bah, attends, vous avez vu où il était. Il faut passer par là. Et passer par là. Voilà, le hall des héros t'attend. Et tu m'étonnes avec tout ce que j'ai pris dans la gueule. Tu m'étonnes qu'ils m'attendent pas. Ah, ils vont dire c'est Daniel Fortes qui l'a géré là. Hein. Et c'est le cas. Là, franchement, on y est bien arrivé quand même. Mais ils font mal, mine de rien. Un bouclier quand tu te fais attaquer par 5-6 potirons. C'est brutal, hein. Et les ennemis ont l'air d'être un peu plus agressifs dans la version remake. Bah, d'un côté, ce qui est bien, parce que sinon, j'aurais roulé dessus, ce serait pas intéressant. Et là, c'est où, là? Ah, là, c'est le petit chemin à la con. Oh, j'ai failli glisser. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, j'aurais pas glissé. Mais... Waouh, 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 hey, j'ai reculé d'un coup là. Le mec, on dirait qu'il avait une souci de connexion, le sur Daniel Fortesque. Voilà. Je crois que c'est par là qu'il faut passer, non? Ouais, c'est là, c'est bon. Voilà. Le champignon est ici. La fin de sortie avec. Et voilà, on peut se barrer. Et maintenant, on s'attaque au hall des héros. Avant d'attaquer le... Comment on appelle ça? Le niveau qu'il faut... que je vous ai parlé. La seule solution est de se faire des alliés dans le hall des héros. V'là. Coup, coup. Quelques têtes de zombies tombées. Et sa croix rachetée, sa conduite passée au combat. Il te reste du chemin à parcourir pour t'élever au rang du meilleur. Oui, je sais, je sais. T'es pas obligé de m'en foutre plein la gueule, hein, j'ai compris, t'inquiète. Hein. Ah, bah allez, tiens, on va te revoir, mon cher. J'arrive. Tonnerre de Zeus, Fortes. Tu dois être le cadavre le plus verni de la Terre. J'ai quelque chose ici à te prêter. C'est à prendre ou à laisser, mais souviens-toi que je fais cela pour le bien de la population condamnée de Galomère, pas pour toi, espèce de bouffon désarticulé.
Ouais, du flouze, la thune, du fric, des répètes. Allez, on y go. Oui. Voilà, le prochain niveau va être très très court, hein. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Mais il va être très très court, mine de rien. Voilà, le serpent potiron. Rien qu'au nom, vous avez compris ce qui veut dire en gros que c'est un boss. Ouais. Tout à fait. Le serpent potiron, c'est là que poussent les racines de tous ces maux citrulloïdes. Débarrasse Galomère une bonne fois pour toutes de ce vilain sac de pépins. Il est bien dégueu, hein. Ça représente bien la dégueulosité du boss, hein. Majesté le roi Potiron d'or, si tu veux obtenir une audience avec cette courge royale, tu devrais essayer de détruire toutes ces crosses. Sa majesté... Non, je voulais changer d'arme, voilà. Voilà, tu me péteras pas la gueule. Bada, boum. J'ai dit un bada, boum. Allez, bada... Boum! Badaboum! Badaboum! Et j'ai dit badaboum! Ah! Saloperie! Allez. On raconte que la sorcière des citrouilles a en sa possession une rarissime pierre de dragon. Si tu avais un talisman sorcier, tu serais en mesure d'invoquer cette gentille sorcière. Et on l'a, et je sais où il faut l'invoquer, c'est ici. Juste mettre le talisman du sorcier ici pour l'invoquer. Bonjour mon bon monsieur, je suis la sorcière Potiron. Je suis une mère pour ces citrouilles. Je leur apporte tous les soins et tout l'amour qu'un jeune fruit n'a jamais réclamé. Dès l'instant où des pousses sortent du sol et jusqu'à ce qu'ils soient décapités et mangés. Et regarde, c'est comme ça qu'ils me remercient. En faisant les fous et en semant la zizanie. Ce grand voyou de Potiron a une mauvaise influence sur les plus jeunes semis. Si tu lui apprends à bien se tenir, je pourrais t'offrir un beau cadeau. Voilà, bah comme vous pouvez le voir, hein, vous avez compris. Donc il va falloir retirer en fait toutes les petites cosses là, toutes ces petites mauvaises racines dégueulasses. Voilà, vous voyez. Ce qui réveillera en gros le roi Potiron qui est juste au milieu de la carte. Voilà, celui-là. Ensuite, on peut essayer d'aller dedans. Mais je crois que c'est... Je sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans déjà. Ah non, c'est parce qu'il faut retirer avant le truc, ok. Mais vous allez voir qu'après on pourra aller dedans. Voilà. Là elle a bloqué, celle-là elle est bloquée. Voilà. Comme ça, on détruit la cosse. Ça on va pas y toucher. On va détruire cette cosse là. On va se mettre ici. Et on va essayer d'en dégommer avec des armes secondaires. Et bah non, tiens, on va utiliser après l'épée. L'épée enchantée pour en dégommer une bonne partie. Comme ça au moins, on pourra pas dire qu'on n'a pas utilisé l'épée enchantée du mec. Qui nous permettra de réduire en bouillie plus facilement. C'est bestiaux. Voilà, comme vous voyez, regardez, c'est plus rapide. Et quand on en a plus besoin, on fait comme ça.
Voilà, une mauvaise pousse ici de détruite. Voilà, encore une mauvaise pousse d'ici de détruite. Voilà, donc ça, regardez, voilà, l'épée enchantée. Voilà. Maintenant, on va devoir affronter cette saloperie. Alors, déjà, on va remplacer l'épée normale là. Et en arme de jet à distance, nous allons mettre l'arbalète. Déjà, on va commencer à faire péter le coffre de crâne qu'il y a infligé 0 dégâts. Ah d'accord, ok. Oh bah il était simple. Oh non, faut détruire l'Écosse. Ok. Ok, ok. Faut empêcher sa guérison. Donc il a plusieurs phases. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, mais c'est pas le même qu'avant. Avant, de base, il avait pas plusieurs phases, il en avait qu'une. D'accord. Non, non, je vais mettre à l'épée. Allez, dégage. Au début du niveau, ici et ici. Ok. Ah ouais, non, mais hey, il a grave changé le machin. Donc déjà, on va mettre celle-là en normal. Et en arme de jet, on mettra ça. Qu'on se dépêche, faut qu'on se dépêche, faut pas qu'il se remplisse beaucoup trop. A mon avis, je pense que c'est la troisième phase et la dernière. Mais ça, c'est bien, ils ont changé quelques petits trucs de boss, j'aime bien. Ah ouais, regardez, il vient tout pourri. Ça, c'est la dernière phase. Nickel. Je vais défoncer, petit rond à la con. Voilà. Et là, on le dégomme derrière. Et voilà, on est tranquille. Un peu de courge, jeune. Dans ça se trouve, c'est jeune pousse. Voilà, comme c'est tout beau, tout rose. Après, là, logiquement, le calice se trouve ici. Je crois pas que c'est elle qui le donne. Hein. Bon, on va aller là, on va retourner la voir. On la réinvoque. C'est bon, je l'ai vaincu. En voilà un spectacle.
homme et légume se livrant à un splendide duel à mort. Oh, j'en suis tout éboustillée. Tiens, prends cette jolie pierre de dragon. Oh, les dragons sont des créatures si charmantes et majestueuses. Voilà, pierre de dragon. Donc déjà on a ça. Et maintenant on va pouvoir aller dedans chercher le calice. Parce que oui, le calice se trouve dedans. Vous allez voir, on va le récupérer. Alors attendez, là il n'y a plus rien, donc ok. Là c'est la gargouille marchande. Voilà, bah non, le calice en fait on l'obtient déjà. Ah non, je suis peut-être descendu sur le calice. Ah bah c'est bon. Bon bah ok, ok. Je t'ai niqué, petit potiron. Maintenant, je vais te teabag. Bon, bah, c'est bon, on a gagné. Y a pas de gargouille qui parle ici? Non. Bon, bah, on s'en va. On aura fait donc deux niveaux, dont un boss qui était un niveau boss, et deux halls des héros. Donc, deux calices en un niveau. Au moins, ça vous fait un plus long épisode. Et ça, c'est cool. Alors, ce n'est plus la même personne maintenant. On peut monter à l'étage, vu qu'on a récupéré un certain nombre de calices. Et ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Ah, l'Amazone. Dany. Dis-moi, qu'est-ce qu'une reine guerrière peut bien faire pour rencontrer quelqu'un comme toi? Ne sois pas timide, mon canard. Je t'ai vu me jeter un œil. Tu as beau être aussi faible et bête que les autres hommes, je t'aime bien quand même, Daniel. Maintenant, écoute bien, mon cœur. Ton arc et tes flèches sont bons pour les petits boulots. Mais si tu veux vraiment faire un malheur, prends cette lance. Ok, donc on obtient la lance. Donc c'est aussi une sorte d'arme à munitions. Enfin, qui a besoin de se réapprovisionner. Tout simplement. Donc on va faire comme ça. On va laisser comme ça. Voilà, allez, voilà. Je culbute tout ça, moi. Allez, vous burez. Allez, vous allez boire par terre, bande de gueux. Bon, bah voilà, on aura bien avancé, les amis. Et ça, c'est cool. Alors en termes de calice, je sais pas combien on en a. 8 ou 9 je crois, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9. Ça va être marqué en haut à droite, moi je vous le verrai, mais vous aurez logiquement la cam. Ah non, c'est bon, j'en ai 7, donc ça va. C'est correct. Bon les amis, j'espère en tout cas que cet épisode, plus long que les autres bien sûr, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao Mina.